Avez-vous déjà entendu parler de Alexandra, 36 ans? On est à Paris, dans le 11e arrondissement, et Alexandra, du coup, c'est une femme qui s'est fait massacrer de 47 coups de couteau dans son appartement du boulevard Voltaire par un migrant clandestin qui était son employé de ménage. 47! Imaginez la haine que devait avoir le mec pour donner 47 coups de couteau à quelqu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 47. Là, c'est plus de la haine, là, c'est de la folie meurtrière. Hein. Et encore, la folie meurtrière, au bout d'un moment, elle s'arrête. 47 coups de couteau, ça met quoi? Je sais pas, une minute? Pendant une minute non-stop? Et c'est ouf, hein. Et du coup, l'article de F2Souche. Il est un peu court, du coup je l'ai retrouvé sur Le Parisien, c'est un peu plus complet. 2 jours après ce crime sanglant, le mystère s'épaissit. Le parquet de Paris a confirmé ce dimanche la levée de la garde à vue du conjoint d'Alexandra W. Et le corps de cette femme de 36 ans a été découvert poignardé à mort dans son appartement parisien du 11e arrondissement. C'est son mari, âgé de 40 ans, qui avait donné l'alerte vendredi. Et comme le veut la procédure, il a été interpellé et placé en garde à vue. Mais c'est quoi? Pardon? Comment ça? Tu t'appelles à l'aide? Ouais, et ma femme, elle est en danger et tout. Alors, la procédure, c'est que vous allez en garde à vue. Et pendant ce temps, bah, le mec qui a fait ça, il est dehors. Ok, pourquoi pas. Donc, il est en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de Paris, le temps de vérifier la cohérence de ses déclarations. Il est 12h35 sur le boulevard Voltaire quand le quadragénaire prévient les secours. Il vient de découvrir son épouse inanimée à leur domicile. Lorsqu'il est arrivé sur le palier, il aurait vu que la porte de l'appartement était ouverte mais non fracturée, précise une source proche de l'affaire. Alexandra, sa femme, gît couverte de sang dans la penderie. Imagine, tu rentres chez toi. Et tu retrouves ta femme en France. J'ai même pas envie de m'imaginer, moi, rentrer chez moi et je trouve ma femme comme ça. J'ai même pas envie d'essayer d'imaginer. Son corps est lardé de 10 coups de couteau portés sur l'ensemble du corps. Les pompiers arrivent rapidement et tentent de lui prodiguer un massage cardiaque pour relancer son cœur qui a cessé de battre. En vain. Le médecin la déclare officiellement décédée quelques minutes plus tard. En fin de journée, le cadavre de la trentenaire est transporté à l'institut médico-légal où il devait subir une autopsie. Et les forces de l'ordre prennent le relais et constatent que le logement est parfaitement en ordre. Les techniciens en combinaison blanche de la police scientifique passent les lieux au peigne fin pour tenter de relever les traces et indices. Les recherches ne permettent pas de mettre la main sur l'arme du crime. La mère d'un enfant qui aimait les belles choses. Parce que oui, Alexandra était un petit ange parti trop tôt. Elle n'a pas fait de refus obtempéré. Elle a. Alors, on ne sait pas, mais elle n'a pas l'air d'avoir un casier judiciaire long comme le bras, d'accord? Donc forcément, il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon qui va intervenir pour dire que c'est terrible. L'extrême droite, tout ça. Il n'y a pas Mbappé hein, qui va dire qu'il a mal à sa France. Ni Omar Sy. C'est. L'indignation à double tranchant. Voilà. La défunte était la mère d'une enfant de 3 ans. Elle travaillait comme chef de projet dans l'événementiel. Et ses goûts professionnels étaient tournés vers la gastronomie, les belles choses et le luxe. La victime avait emménagé dans cet immeuble à quelques pas de la place de la République depuis environ un an. Le voisinage l'a décrit comme une femme qui avait l'air sans histoire. Comme le confirment le parquet et la police, le couple n'était pas connu pour des faits de violence intrafamiliale. Les enquêteurs de la police judiciaire ont interrogé les riverains et l'entourage d'Alexandra. Ils vont passer la vie de la mère de famille au crible pour tenter de dégager un mobile et une piste. Le fait qu'elle ait essuyé 10 coups de couteau fait penser à une motivation passionnelle, avance un fonctionnaire.
Donc apparemment, quand tu prends plus de 10 coups de couteau, c'est de la passion. Non, je ne suis pas expert médico-légal, hein. Je vois pas trop le rapport entre la passion et le meurtre. Pour moi, plus de 10 coups de couteau, c'est plutôt de la haine. Hein. Et tu peux pas tuer quelqu'un, enfin donner une minute de coup de couteau et dire que c'est de la passion. Non, là c'est de la folie meurtrière. Arrêtez. Mais pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. L'enquête se poursuit. Ok. C'est le karma quand on cherche à embaucher les migrants. Évidemment, c'est normal d'embaucher un migrant clandestin qui, j'imagine, ne venait pas de la principauté d'Andorre. Outre l'illégalité de cette embauche, la naïveté tue. C'est parce qu'il y a une mise à jour de l'information. Alors, c'est un suspect. On ne sait pas si c'est le criminel, mais le suspect s'appelle Patrick, 41 ans, et c'est l'employé de ménage d'Alexandra, qui est d'origine philippine. Mais étant donné que le crime n'est pas encore avéré, on ne va pas faire d'accusation à tort. Ok. En tout cas, il est suspect. Et du coup, avant de vous laisser, parce que dans cet hôpital psychiatrique qu'est la France, un meurtre n'arrive jamais seul. On est le vendredi 29 mars à Mirecourt, et cette fois-ci, c'est Claude qui nous a quittés. Une femme de 60 ans qui a été étranglée par son mari à leur domicile. Et pour le coup, c'est un petit meurtre français, les copains, j'ai l'impression. Sans nouvelles de la victime, c'est un proche qui a contacté les secours. À leur arrivée, elle était décédée depuis plusieurs heures. Son mari a avoué l'avoir tuée. Le quartier de la Lutterie de Mirecourt, plus communément baptisé Quai Militaire, est sous le choc. Vendredi 29 mars, une femme âgée de 60 ans a été retrouvée morte à son domicile et son conjoint a avoué l'avoir tué. Il a été placé en garde à vue le lendemain, puis mis en examen et placé en détention provisoire. L'homme, retraité, qui était sous l'emprise de sandwich, a expliqué l'avoir étranglé, a indiqué à l'AFP Frédéric Nahon, le procureur de la République d'Épinal, confirmant des informations du quotidien Vosges Matin. C'est un proche de la victime qui, n'arrivant pas à la joindre, a donné l'alerte. Les faits se sont produits dans l'appartement d'un immeuble situé rue des Violoncelles à Mirecourt. Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours à l'Institut médico-légal de Nancy. En moyenne, un féminicide survient tous les 3 jours en France. Selon le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, il y en a eu 94 en 2023 contre 118 en 2022. Ok, alors c'est bien de dénoncer ça. Mais j'aimerais qu'on parle un peu plus aussi des victimes d'insécurité. Souvenez-vous, il y avait Shannon. Alors là, bizarrement, c'est pas du féminicide. C'est un fait divers. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur Shannon en commentaire et en description de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!